Hier soir, on est arrivé dans ton nouvel hôtel. Oh, je me rends compte que j'avais même pas dit bonjour dans le vlog. Donc, bah, je dis bonjour maintenant. Bonjour. Je suis grave mal polie comme personne. Ça, c'est notre restaurant le matin. Et voici la vue qu'on a. C'est tellement beau. Donc, on est sur une petite passerelle comme ça. Et. C'est vraiment magnifique. Là, ils sont en train de pêcher juste là-bas. C'est trop beau. Là, c'était là où on mangeait le matin. Genre, c'est trop mignon. Cet hôtel, il est magnifique. Là, il y a la piscine. Une super belle piscine. Bon, du coup, là, je vais vous faire le petit room tour. Donc, je suis contre la fenêtre. On arrive, il y a les lits. Là, le petit miroir bureau. Bon, il y a nos affaires, faites pas gaffe. La télé, les lits. Et là, on arrive, genre, lavabo. Arrive salle de bain, donc douche à l'italienne et une baignoire mais gigantesque, genre énorme. Petite fenêtre, je sais pas sur quoi ça donne. Et là, tout. Donc là, il y a des placards, méga stylé les trucs. Et les petits WC. Salut tout le monde! Là, on est en train de visiter un truc de soie. Vous avez pu voir sur les images. On a fait la boutique, on attend juste en gros. Il y a beaucoup de soleil, je ne vais pas cramer. Il y en a qui sont en train d'acheter des trucs, du coup, on les attend. Cet après-midi, ça va être détente, relaxation, au bord de la plage ou piscine, je ne sais pas. On verra! Ah là là, Sarah, tu savais. La détente n'était pas prévue ce jour-là. Tu étais heureuse trop vite. Donc là, on est dans un quartier non motorisé. C'est plutôt sympathique de ne pas entendre tous les bruits de moto, de voiture ou autre. C'est ici le respect. C'est là, il y a deux, en haut et en bas, il y a deux protections. Dans un temple, la pagode, avec le Bouddha, c'est le bouddhisme. Le temple, avec le génie, c'est le taoïsme. On nous présente au milieu, c'est un génie. C'est le génie du Nord, qui peut exercer, qui peut maîtriser tous les quatre ordres naturels. Parce qu'on dit, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de phénomènes naturels que l'homme, on ne peut pas faire. Comme le séisme, comme l'invasion, comme le typhon. Quand l'homme, on ne peut pas faire. On vient toujours au temple ou à la pagode pour demander la protection. Et aussi par la légende qui nous disait que autrefois, cette région-là se trouvait sur le dos des monstres aquatiques. Ça, c'est une ancienne école française au Vietnam, en fait. C'est des journaux chaque année. Et le pont pouvait japonais tout à l'heure. Et après l'inondation, les meubles de la famille qui tombent par terre. Donc ça, c'est une taille de... enfin, des crues d'eau, en gros. Oui, et normalement, ça, franchement, c'est haut. Hein. Genre, moi, je suis là, je me situe sur le fleuve. À cette taille-là. Et maintenant, c'est la famille qui dort, c'est où il y a une seule personne qui... Donc là, on se trouve à un temple chinois. D'un côté, on peut voir une licorne donc, qui représente l'homme qui a une main sur la terre. Et de l'autre côté du temple, on peut voir une femelle qui, on peut la remarquer parce qu'elle a un bébé entre ses jambes. Alors ça, souvent, on peut le retrouver dans des temples. En gros, ça représente le rocher, ça représente les montagnes, l'eau. Représente l'eau. Les petites feuilles qu'on peut voir, ça représente la faune. Et il y a des poissons souvent qui représentent la flore. Et en gros, donc c'est souvent les personnes qui font le taoïsme qui viennent prier en face de ça. C'est
faut comprendre les lois de l'univers. Et une fois qu'ils comprennent les lois de l'univers, ils deviennent des sorcières et des chamans. Et après, on peut encore évoluer. Enfin, des Pokémon, écoutez. On peut devenir par la suite des génies. Et les génies, en gros, permettent de diriger, de contrôler le surnaturel. Et ça sert en gros de protection et de purification pour entrer dans le temple. L'élément masculin, lui, c'est le yang. L'élément féminin, lui, c'est le yin. Dans la vie quotidienne, on nous présente par un couple de fécondité. Le ciel et la terre. L'eau et la femme. Le soleil et la lune. Joie et la nuit. La couleur rouge et la couleur jaune. Et on nous présente des couples comme ça. Par des couples brillants, tout ronde. Mais demi partie noire et le reste blanc. Mais dans la partie noire, il y a un point blanc et à l'envers. Puis le yin et le yang, ce sont deux choses qui s'opposent, mais qui se complètent. Comme après la pluie, c'est le beau temps. Dans tous les anciens rituels de chez nous, on vous présente deux couleurs dominantes. C'est jaune et rouge. Et chez vous, vous dites le soleil est jaune. Mais chez nous, non. En Asie, on dit que le soleil est rouge, la lune est jaune. Parce que le soleil, la couleur rouge, c'est le jaune, c'est le yang. La couleur jaune, la terre, la femme, la lune, c'est le yin. La couleur rouge, c'est la couleur qui peut porter le bonheur et la victoire. La couleur jaune, c'est la prospérité. Le dragon, c'est le mâle. Le tigre blanc qu'on peut voir derrière, c'est la femelle. Attendez, le tigre blanc, on voit pas très bien, c'est sur le mur. Alors, on a un petit problème. On a vu ça genre Monkey Mountain. Mais on ne sait pas si c'est des hommes ou des singes parce que. Des singes qui se promènent comme ça, c'est pas forcément. On dirait des singes. Non, en vrai, c'est des hommes déguisés en singes, c'est pas possible. Du coup, on se retrouve dans la soirée. On est allé au restaurant, balader dans la ville de Hoyan. Après, donc, on a eu un petit tour et tout, on a visité le marché, machin. Je vous mettrai les images. C'était plutôt sympathique pendant une heure. Et là, on est rentré vite fait, on s'est préparé pour aller au resto. Et ce soir, je sais pas si j'aurai le temps de vlogger. Il a pas chargé de la journée, mon portable. Bon, du coup, là, en gros, je voulais dire. Ah oui, pour le vlog d'hier de la baie d'Along, c'est moi, votre vraie admiratrice. Enfin non, vous m'aimez, c'est pas pareil. 36$. Du coup, je disais que ça va. Ah mais chut. Si le vlog d'hier, j'avais pas mis beaucoup de. Je me suis rendu compte, j'avais pas mis beaucoup de paysages de la baie d'Along, mais en fait c'était parce que j'ai plus profité et genre j'ai même pas pensé à vraiment filmer et tout et je m'en suis rendu compte après. Mais du coup bah désolée. Après, je préfère en profiter quand même. Je pense que ça se comprend. Et non, ils n'ont pas rien à foutre. Dites dans les commentaires que vous en avez pas rien à foutre. Ne lui donnez pas de l'importance à l'autre. Qu'est-ce qu'elle est ? Rien sur cette chaîne, rien. Je suis trop importante. Avec mon allergie là. J'avoue, grosse bolosse. J'ai que 10% de batterie, faut que tu le recharges. J'ai dit je suis là. Non, y'a rien. En gros, non, je voulais dire que en fait. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je vais me mettre un peu. Mais ta gueule, c'est vrai, c'est vraiment en plus important.